Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser tots aquí i deixar les rutines per, jo crec que, rebre la millor informació sobre una temàtica com és tot el que gira al voltant de l'islam. Jo només puc estar aquí encantat d'haver rebut l'aprovació, en realitat, d'un antic professor a la Sorbona, però no és només per això, és sobretot pel fet que un gran especialista de l'islam avui en dia hi ha una veu autoritzada per explicar-nos una cosa senzilla però al mateix temps extremadament complexa, que és entendre l'islam a la seva diversitat. Aquesta paraula diversitat, que tant fent servir a vegades sense saber, en el cas de l'islam, on té les seves arrels i on ve a repercutir sobre el nostre present i la nostra actualitat. Dit això, presentar a Muhammad Ali Amir Moezi és com parlar de la història del desenvolupament de la islamologia a Europa en els últims 20 anys, perquè ell no només representa tot allò que ha avançat, per exemple, en un camp com és el del xiisme a dins de l'islam, que ha passat de saber-ne tantes coses com mitja dotzena de llibres, podien dir, a tenir finalment un corpus extraordinari de coneixements, un vocabulari per expressar què és el xiisme, que fins i tot els xiites actuals rebusquen per entendre-ho i explicar-ho en llengües occidentals, que ell ha fet especialment en francès. De manera que recordar la seva trajectòria com a estudiant i professor a la Sorbona, com deixeble d'una generació extraordinària que és la de Jim Magué, de Monod, d'un jove iranià que arriba a París interessat per Levinas, que ha seguit de molt a prop la trajectòria de Pierre Hadot. Això també és molt important per entendre en quines coordenades ens situem, per, després d'una tasca continuada d'unes quantes dècades, doncs l'ha dut a ser referència en el tema, i no només, o a més, o manifestament no és per casualitat que és reconegut com membre de l'Acadèmia Ambrosiana, Chevalier d'Honneur de la República Francesa, i així és un nombre importantíssim de reconeixements, que sobretot palesen el que ha sabut fer, deixant-nos un llibre com Le Guide Divin dans le Schisme Originel, traduït a moltíssimes llengües, per precisament començar a entendre aquest patrimoni del xiisme en el seu conjunt, part fonamental per entendre el conjunt de l'islam. Així, aquests llibres com són el Coran Silencieux, el Coran Parlant, del 2010, el llibre que és simplement Ali, Secret Bien Guidé, del 2020, que és a l'últim i referència que us recomano molt i molt, i així és molt d'altres de treballs que ara seria llarg d'escriure. També has sabut, i això també és fonamental entendre, la coordinació en el conjunt de tota Europa i del món acadèmic global, doncs obres de la dimensió d'aquests treballs col·lectius de referència que són el Dictionnaire du Coran i ara ja més recentment una cosa extraordinària com és el Coran des Historiens. Així són volums, 3-4 volums, 4.000 pàgines en 100 les obres que ens posen al dia sobre el que mai havíem sabut, és completament innovador i d'obligada lectura per qui vulgui dir coses serioses sobre l'islam. M'aturo aquí perquè acabaré dient-vos que també és culpa de l'actualitat, de la realitat, diguem-ne, del terra a terra, no del món acadèmic tancat sobre si mateix, sinó que és el president del Consell Científic de l'Institut Francès d'Islamologia, a l'IFI, instituït molt recentment, el 2022, amb
recolzament decidit de la presidència francesa, que vol precisament posar tot l'èmfasi acadèmic en la comprensió de l'islam com a via d'enteniment i de praxis de precisament la convivialitat i respecte de la diferència. Ja n'hi ha prou, deixo ja la paraula al nostre conferenciant Mohamed Ali Amir Moezi, doctor de la Sorbona. Moltes gràcies. Merci. Merci infiniment, cher Victor. Merci à vous toutes et tous. Merci à Ateneo Barcelona. Je suis très honoré et très heureux d'être parmi vous. Je remercie cette institution et Madame la Présidente et vous toutes de cette invitation, de votre accueil et de votre présence. Merci. Alors, je vais vous parler d'un sujet simple, la diversité de l'islam, la pluralité de l'islam, qui est peut-être une évidence, mais en même temps, c'est parfois utile de revenir sur les évidences. Parce que c'est une évidence qui a tendance d'être oubliée par l'actualité. L'actualité écrase tout maintenant à cause de tout ce qui se fait au nom de l'islam. Et donc, dès qu'on parle de l'islam, surtout depuis la tragédie du 11 septembre, dès qu'on parle de l'islam, on pense islam politique, on pense djihad, on pense attentat, on pense Ben Laden, on pense Khomeini, etc. Bien sûr, je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas de l'islam. Khomeini, Ben Laden, Daesh et les attentats font partie de l'histoire de l'islam, peut-être la partie sombre de l'histoire de l'islam. Mais, bien sûr, c'est imbécile de dire que l'islam, c'est Daesh, l'islam, c'est Khomeini, l'islam, c'est Ben Laden, etc. Donc, il m'a semblé utile de parler de la complexité, de la pluralité, de la diversité de l'islam dans son épaisseur historique, dans sa complexité. L'islam, en effet, n'est pas un. Il n'est pas monolithique. Il ne l'a jamais été. Comme pour les autres religions, cette pluralité est de différentes natures. On a pris l'habitude de parler d'islam, n'est-ce pas, comme s'il s'agissait d'une unité, d'une entité toute faite que l'on connaît. Mais ce n'est pas le cas. Cette pluralité est d'abord d'ordre historique. Sur ce plan, on pourrait dire qu'il y a au moins trois islams. Donc je mets islam avec un S à la fin. D'abord, ce qu'on appelle l'islam de l'origine ou l'islam des origines, celui qu'on appelle l'islam du prophète Mohammed, qui est mort, selon la tradition, en l'an 632. De l'ère commune, de l'ère chrétienne. Objectivement, nous ne connaissons presque pas cet islam. C'est d'autant plus ironique que maintenant, les mouvements politiques islamistes se réclament tous de cet islam des origines. Vous avez entendu parler de salafisme. Salafisme, c'est-à-dire salaf en arabe, c'est-à-dire les pieux ancêtres. Le salafisme est soi-disant un islam de retour aux origines. Mais que connaissons-nous de cet islam d'origine ? Très peu. Puisque ce que nous en savons provient presque exclusivement
des représentations, des images que cherchaient à donner de cet islam des origines des auteurs musulmans dont les plus anciens écrivaient dans leur très grande majorité près de 2 siècles ou 2 siècles et demi après les événements. Les premiers livres d'histoire, entre guillemets, de l'islam des origines, donc, ont été écrits 2 siècles et demi après la mort du prophète. Or, le contexte dans lequel écrivaient ces lettrés était totalement différent du contexte qui avait vu naître la religion du prophète arabe. Entre-temps, des événements extrêmement importants ont marqué les premiers siècles de l'islam. D'abord, des guerres civiles incessantes. L'islam est né, d'une certaine manière, dans la violence et a grandi dans la violence, et surtout dans la violence civile, dans des guerres civiles. Presque tous les grands personnages de l'islam naissant sont morts de morts violentes, tués par d'autres musulmans. Donc des guerres civiles incessantes, et puis des événements qui ont changé pratiquement la face du monde, c'est-à-dire les grandes conquêtes arabes et la formation d'un immense empire, et puis les implications des conquêtes et de la naissance de l'empire, c'est-à-dire les innombrables factions politico-religieuses et puis peu à peu la mise en place progressive d'une orthodoxie. Et tout cela avait marqué les esprits et déterminé les images que l'on voulait donner du passé afin de justifier le présent et de préparer l'avenir. Après près de 2 siècles de recherches historiques et philologiques sur les origines de l'islam, les spécialistes savent que la compréhension même de la langue du Coran était modifiée. Beaucoup de lettrés des premiers siècles de l'islam avaient des difficultés pour comprendre le Coran. Le milieu originel des révélations faites au prophète Mohammed, selon la tradition, le milieu originel qui était tribal, arabe, voire plus précisément de la région de Hijaz en Arabie occidentale, c'est-à-dire la région des deux villes de la Mecque et de Médine, qui était imprégnée de croyances ancestrales, mais aussi d'anciennes religions présentes en Arabie, le judaïsme, le manichéisme et surtout le christianisme, qui était la religion de loin majoritaire dans ces régions. Tout cela, pour les premiers écrivains arabes, constituait déjà un monde oublié ou à faire oublier pour une communauté qui, après les conquêtes, était maintenant composée majoritairement des non-arabes issus de sociétés non-tribales et menées par des dirigeants qui cherchaient à démontrer, parfois de manière agressive, l'autonomie de la nouvelle religion et bientôt sa supériorité par rapport aux religions antérieures. Que savons-nous de Mohammed et de sa religion ? Presque rien, si ce n'est ce que nous disent les ouvrages islamiques, les ouvrages musulmans, qui sont des ouvrages apologétiques. Je vous donne un exemple pour dire combien il faut regarder avec prudence ce que nous disent les ouvrages islamiques sur Mohammed et son milieu. On nous dit, par exemple, que Mohammed est né dans l'Arabie pré-islamique, qui est une terre d'ignorance, c'est-à-dire une terre païenne, où les gens adoraient les arbres, les cailloux, n'est-ce pas, et enterraient vivantes leurs filles, donc un monde de sauvages et d'idolâtres. Ce que les ouvrages musulmans appellent l'ère de l'ignorance.
Mais nous savons que tout cela n'est pas vrai. Nous le savons par des fouilles archéologiques, nous le savons par des découvertes épigraphiques, et nous le savons surtout par le Coran, qui est un texte difficile, mais quand même, qui est la seule source arabe contemporaine de Mohammed. Alors, quand on regarde le Coran, à côté de quelques données sur les idoles de l'Arabie pré-islamique ou de deux prophètes proprement arabes, le prophète contient des milliers et des milliers de références bibliques. Les figures bibliques sont partout présentes dans le Coran. Ça va de Adam et d'Ève jusqu'à Jésus, Zacharie, Marie, Jean-Baptiste, en passant par Noé, par Salomon, par David, par Abraham, figure centrale du Coran, par Moïse, autre figure centrale. Donc les figures bibliques sont omniprésentes. Les thèmes bibliques sont omniprésents. Quel est le credo du Coran ? Le monothéisme, Dieu est unique. Le prophétisme, c'est-à-dire Dieu parle de temps en temps à un prophète qui communique son message à sa communauté, et le jugement dernier. L'unicité divine, l'existence des prophètes, le jugement dernier. Ce sont des thèmes bibliques. Et puis, les données bibliques sont données de manière allusive dans le Coran. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire d'Abraham ne connaîtra rien de ce que raconte le Coran de l'histoire d'Abraham. Nous avons des épisodes de la vie d'Abraham ou des allusions à l'histoire de Moïse. Quand je dis allusion, c'est-à-dire ceux qui écoutent le Coran ou ceux qui le lisent connaissent ces histoires. Sinon, ils ne comprendraient rien. Donc nous sommes dans un milieu biblique, c'est-à-dire dans un milieu monothéiste, appartenant aux traditions monothéistes, juifs et surtout chrétiens. Ce qui est tout à fait normal, l'Arabie n'est pas une île au milieu d'un océan. L'Arabie est au carrefour des grandes civilisations monothéistes, la Byzance au nord, le Yémen au sud, l'Éthiopie à l'ouest, l'Iran à l'est. Donc, nous sommes au carrefour des grandes cultures et des grandes civilisations monothéistes, et les Arabes, qui sont des commerçants depuis la nuit des temps, parcourent avec leurs caravanes les déserts qui les relient à ces pays-là, et dans leurs caravanes, bien sûr, on le sait, ils ne transportent pas seulement des marchandises, mais également des livres, des hommes, des croyances, des idées, des pensées. Donc, l'Arabie est depuis toujours, familier de ces religions monothéistes, et le Coran en est le reflet. Donc vous voyez combien nous connaissons peu cet islam des origines. Et donc Mohammed, bien sûr, appartient également à cette culture biblique. Le Coran ne cesse de dire « Moi, je suis le prolongement du message de Moïse et de Jésus. » Et le prophète se présente comme le continuateur des prophètes du passé, en particulier Abraham, Moïse et Jésus. Donc, c'est plus tard, peut-être le pouvoir califal et après les conquêtes, que le pouvoir politique va essayer de dire que l'islam a peu de choses à voir avec les religions antérieures, il est supérieur à ces religions, et que de couper en quelque sorte le cordon ombilical de l'islam avec ses parents, c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme. Mais malgré tous ces efforts d'ordre politique, les religions antérieures sont restées très vivantes dans le dogme, le rituel et les institutions de l'islam. Le christianisme, avant tout, mais également bien sûr le judaïsme, le manichéisme, religion extrêmement puissante à cette époque-là, nous sommes au 6e et 7e siècle de l'ère chrétienne. Et donc, nous avons tout l'héritage de ces religions antérieures dans l'islam. Comme vous le savez, autre exemple,
On dit toujours que l'islam a 5 piliers. La profession de foi, la prière quotidienne, le jeûne, l'aumône et le pèlerinage. Mais quand on regarde de près, 4 de ces piliers sont d'origine manichéenne. La profession de foi est un des piliers de la religion manichéenne. La prière quotidienne, 5 fois, c'est une pratique manichéenne. L'aumône est une obligation canonique pour les manichéens. Le jeûne, 1 mois par an, est une pratique manichéenne. Il reste le pèlerinage à la Mecque, qui est bien sûr islamique, mais qui existait déjà avant Mohammed. La Mecque était déjà un centre de pèlerinage avant Mohammed. Donc tout cela pour dire que nous devons changer les lunettes avec lesquelles nous regardons la naissance de l'islam et les origines de l'islam et du Coran. Donc là, le premier islam dont je voulais parler, l'islam des origines, très peu connu. Il y a ensuite l'islam des clercs. Le clergé n'existe pas, comme vous le savez, au moins dans l'islam sunnite, si on donne à ce terme son sens chrétien. Mais j'utilise ici les mots clercs dans le sens de professionnel et gestionnaire du religieux, c'est-à-dire les élaborateurs de la loi canonique. Et là, il y en a beaucoup en islam. Et cet islam des gestionnaires du religieux, ce sont ces gestionnaires du religieux qui se sont alliés pendant les conquêtes aux anciens commerçants qui sont maintenant devenus des chefs militaires. Et ces clercs, après les conquêtes, ont ressenti, à juste titre, le besoin de réglementer ces immenses terres conquises. Les Arabes se sont vus très vite, en quelques décennies, se sont vus à la tête d'immenses terres qui allaient à peu près, disons, de la Libye actuelle jusqu'aux confins de la Chine. Ils sont à la tête de colossales fortunes acquises, d'innombrables peuples soumis. Alors ce qui est arrivé, effectivement, les conquêtes arabes ont été extrêmement rapides. C'est un cas presque unique dans l'histoire. Le seul autre exemple, ce sont les conquêtes d'Alexandre, le Macédonien, qui au bout de quelques décennies est allé jusqu'en Inde. C'est la même chose avec les armées arabes. Alors bien sûr, l'apologétique musulmane dira que c'est à la force de la foi, n'est-ce pas, sous la bannière de l'islam, que les Arabes ont gagné ces terres. Il n'en est rien. Là aussi, il faut changer nos lunettes. À l'époque des conquêtes, historiquement parlant, l'islam n'est pas encore formé. Vous savez, une religion prend du temps pour naître. Je ne parle pas peut-être de la foi intérieure de quelques-uns, mais l'islam, en tant que religion institutionnelle, un ensemble de dogmatiques et de pratiques, a mis des décennies, voire plus d'un siècle, pour naître. Donc au moment de conquête, il n'y a pas véritablement d'islam. Les Arabes sont des gens qui connaissent les données géopolitiques de leur temps. Ils savent, au nord, les Byzantins sont en guerre avec l'empire iranien des Sassanides depuis un siècle, et que les deux empires sont très affaiblis par des guerres incessantes, par des taxes extrêmement lourdes imposées aux gens, par tout ce qui implique plus d'un siècle et demi de guerre, c'est-à-dire des massacres, c'est-à-dire des déportations, des maladies, etc. Et donc, ces deux empires sont très affaiblis, les Arabes le savent, et donc quand ils attaquent, les deux empires tombent d'eux-mêmes. La totalité de l'empire iranien des Sassanides et la Byzance perd ses terres méridionales et les terres africaines. Donc d'ailleurs, quand on regarde la géographie des conquêtes,
les conquêtes s'arrêtent aux frontières de la Byzance africaine et de l'Empire sassanide. Ça ne va pas plus loin. Ce qui montre que les conquêtes sont été dues à la faiblesse de ces deux empires. Et d'ailleurs, très souvent, les Arabes sont dans les terres iraniennes et les terres byzantines, sont accueillis à bras ouverts comme des sauveurs parce que, comme je vous le disais, les gens étaient soumis à des taxes extrêmement lourdes. Et donc, là, avec la naissance de l'Empire, on sent qu'il faut réglementer, qu'il faut mettre des lois dans cet empire. Là encore, les guerres civiles et les conquêtes sont des facteurs décisifs. Donc il fallait élaborer les lois de la guerre sainte, définir les limites de la foi et de l'incroyance, la volonté de faire de l'arabe la langue administrative, ça s'est arrivé à la fin du 1er siècle de l'Égypte, pendant le règne d'un calife extrêmement important, Abdelmalek, le cinquième calife de la dynastie des Omeyyades, que beaucoup d'historiens considèrent comme le vrai fondateur de l'islam en tant que religion de l'empire, de la religion impériale, puisque c'est lui qui va imposer l'arabe comme la langue de l'administration. Jusque-là, la langue de l'administration était le grec dans les terres byzantines et le moyen perse dans les terres sassanides, iraniennes. Donc c'est Abdelmalek qui impose la langue arabe comme la langue de l'empire. Mais également, il a unifié les poids et les mesures, il a décrété des lois concernant les juifs et les chrétiens. C'est lui qui va publier, c'est-à-dire rendre public, la version officielle du Coran. C'est lui qui va donner à cette religion le nom d'islam, probablement. Les premiers documents où l'islam devient un nom propre, ce sont les documents qui datent de cette époque. Jusque-là, l'islam est un nom commun. Par exemple, dans le Coran, il désigne la religion d'Abraham, donc ce n'est pas le nom de la religion de Mohammed, c'est-à-dire la religion de la soumission à Dieu. Donc, c'est à cette époque-là que donc, la collaboration entre les clercs et les cercles de pouvoir sont extrêmement étroits. Il y a également les divers taxes, les divers impôts religieux, la taxe foncière, la taxe de capitation, et puis la rédaction finale des écrits scripturaires, donc le Coran et puis le Hadith. C'est à partir de la fin du 1er siècle de l'Égypte que donc l'Empire va avoir sa propre religion, qui s'appelle donc Islam. Il va avoir son propre livre, qui s'appelle le Coran, et son propre prophète, qui s'appelle Mohammed. C'est frappant que jusqu'à l'époque de Abdelmalek, le nom de Mohammed, donc le prophète, n'apparaît sur aucun document officiel de l'État omeyyade. Donc tout cela va marquer les premières étapes d'une lente prise de pouvoir des docteurs de la loi. Donc à l'époque omeyyade, donc 661-750. Cet islam, qui est différent de l'islam de Mohammed, entraîne souvent les masses et il se croit autosuffisant, satisfait de lui-même. Il se voulait fermé, puisque supérieur à toute autre culture. Et pourtant, on oublie aussi que la loi canonique de l'islam, la fameuse charia, le mot est maintenant entré même dans les vocabulaires européens, formée pendant les deux premiers siècles de l'Égypte, est souvent non seulement non coranique, mais parfois anticoranique. Dans le droit canonique de l'islam, les traces du droit pénal romain et du droit administratif sassanide sont souvent plus visibles que les traces laissées par la culture arabe ou le texte coranique. Enfin, on pourrait parler d'un islam des non-clercs. L'islam des historiens, des poètes, des géographes, des hommes de lettres, des philosophes, des mystiques, des médecins, des scientifiques, des grammairiens, des artistes, des architectes. Beaucoup d'entre eux furent aussi juristes, théologiens, commentateurs du Coran ou juges. Cependant,
Ce sont des gens qui sont issus presque toujours des peuples des pays conquis. Ils ont été les représentants d'un islam ouvert, curieux, en quête de connaissances, de nouveautés, d'adaptation et d'assimilation. C'est l'islam de très grands découvreurs, des traducteurs, des transmetteurs de cultures antiques, surtout de la culture gréco-alexandrine, de la culture chrétienne de langue syriaque ou du christianisme byzantin, de la culture iranienne, indienne, etc. Ce sont ces lettrés qui, parfois en le payant cher, firent de l'islam, souvent à travers de sublimes travaux, de commentaires, d'exégèses, une culture et une civilisation parmi les plus remarquables de l'histoire de l'humanité, plus particulièrement pendant ce qu'on appelle l'âge d'or du califat abbasside ou la renaissance islamique, c'est-à-dire 9e et 10e siècle de notre ère. Ce fut grâce à ces lettrés que des éléments majeurs du patrimoine intellectuel et spirituel de l'humanité furent adoptés et adaptés à la religion arabe, manifestement ou secrètement, et puis transmis à la postérité, à l'Occident plus particulièrement. Je pense par exemple à la science et à la philosophie grecque, les contes de sagesse indienne, la morale iranienne, la métaphysique zoroastrienne, la spiritualité manichéenne, etc. Ce dernier point révèle une autre pluralité de l'islam, la pluralité culturelle, ethnique, géographique. Comme vous le savez, l'islam n'est pas seulement une religion, mais aussi, bientôt, au bout de deux siècles et demi, une civilisation qui, dans sa complexité, a servi de fondement depuis de nombreux siècles à plusieurs cultures ayant chacune son histoire propre. Mais on a pris l'habitude d'appeler au singulier la civilisation islamique. Au singulier. Mais comment peut-on parler au singulier lorsqu'il s'agit de terres qui, au cours des siècles, vont du Maghreb et de la Mauritanie à l'Indonésie, en passant par l'Afrique noire, les Balkans, l'Asie centrale ou les îles de l'océan Indien? Je rappelle encore quelques évidences. Quand on parle de l'islam, on pense arabe. Il y a toujours un amalgame entre l'islam et l'arabité. Seuls près de 14% des musulmans sont arabes ou arabophones. 14%. Les plus grands pays musulmans du monde sont le Nigeria et l'Indonésie, donc un pays africain et un pays du sud-est asiatique, des pays qui n'ont absolument rien à voir ni avec la culture ni avec la langue arabe. Les pays du subcontinent indien, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, ces trois pays comptent à eux seuls la moitié de la population musulmane mondiale. La moitié des musulmans se trouvent en Inde, au Pakistan et au Bangladesh. Donc, encore une fois, des pays qui n'ont absolument rien à voir avec la culture et la langue arabe. Bien sûr, tous ces gens-là se disent musulmans. Ils ont en commun un certain nombre de pratiques et de croyances, mais ces pratiques et ces croyances sont d'abord extrêmement limitées, et puis ces pratiques et ces croyances ont des variations selon les cultures et les pays. Donc,
mis à part un nombre très limité de pratiques et de croyances communes, les choses sont extrêmement différentes, parfois fondamentalement, d'une culture à l'autre. L'islam mauritanien est très différent de l'islam iranien. Un musulman albanais se reconnaît très difficilement dans les croyances d'un turkmène ou d'un malgache. Au Tchad ou au Sénégal, on inscrit des passages du Coran sur des feuilles diluées dans de l'eau que l'on donne à boire aux enfants malades. En Arabie Saoudite, on exécuterait une telle personne. En Arabie Saoudite, on ne touche le Coran que pour le feuilleter pendant sa lecture, tout en ayant l'obligation d'être en état de pureté rituelle. Considéré sous cet angle, il y a autant d'islam, donc avec un S à la fin, que de cultures existant entre musulmans. Nous arrivons maintenant à une autre diversité qui est, je dirais, d'ordre doctrinal, d'ordre dogmatique. L'islam est composé d'une majorité de sunnites, qu'on a pris l'habitude d'appeler l'orthodoxie ou les orthodoxes de l'islam, mais bien sûr, chacun se considère comme orthodoxe et les autres comme hétérodoxes. Disons l'islam majoritaire, les sunnites, à peu près 4/5, une minorité de chiites, à peu près 1/5, donc ça fait d'eux une minorité quand même respectable. 1/5 des musulmans, ça fait entre 200 et 300 millions de fidèles. Et puis, un tout petit nombre de ibadites ou kharijites qui se distinguent aussi bien des sunnites que des chiites et qui sont surtout présents en Afrique du Nord. Chacune de ces familles, sunnites, chiites ou ibadites, est en plus parcourue de nombreux courants de pensée, de tendances spirituelles, d'écoles juridiques, théologiques, de confréries mystiques. Donc on voit combien les choses sont complexes, sont plurielles, et combien l'image que nous donne l'actualité, et surtout ce qui écrase tout ce qui concerne l'islam dans l'actualité, c'est-à-dire l'islam politique, donne une idée, je dirais, monolithique et surtout fausse de l'islam. Encore une fois, l'islam politique fait partie de l'islam, mais il faut savoir que ce n'est pas tout l'islam. L'islam est extrêmement divers. Là aussi, c'est une peut-être banalité ce que je vais dire, cette idée réductrice de l'islam, les premières victimes sont les musulmans eux-mêmes, comme les premières victimes de l'islam politique et de l'islam violent sont les musulmans eux-mêmes. Bien sûr, nous avons été ici en Occident, en Europe, aux États-Unis, le témoin des tragédies, des attentats, mais ce qui arrive dans les pays musulmans à cause de l'islam politique est mille fois plus tragique. Rappelons que les guerres, n'est-ce pas, les guerres civiles, et des terrains des guerres, des champs de guerre, vont pratiquement maintenant de Nigeria jusqu'en Afghanistan. Il y a des pays entiers qui n'existent plus, des pays de civilisation et de culture antique. La Syrie n'existe plus. L'Irak n'existe plus. Le Yémen n'existe plus. La Libye n'existe plus. Et ça, presque dans l'indifférence générale. C'est comme si on disait l'Autriche n'existe plus. La Tchéquie n'existe plus. L'Italie n'existe plus. Parce que nous sommes en train de parler des pays de culture et de civilisation, surtout en parlant de l'Irak et de la Syrie. Donc là, ça vous donne une idée de l'ampleur de la tragédie que traversent les pays musulmans, en partie à cause, justement, de l'islam politique et de l'instrumentalisation politique du religieux.
Alors, bien sûr, je ne suis pas naïf, vous non plus. Tout n'est pas dû au mouvement islamiste. Il y a des données géopolitiques. Il y a des données où les grandes puissances politiques, les grandes puissances financières ont joué un rôle extrêmement important. Dans beaucoup de pays, on le sait, ce qui se passe avec l'islam n'est qu'un prétexte. L'élément religieux est un vernis extrêmement superficiel pour cacher des visées géopolitiques, des visées de domination et de conquête. Donc, je sais très bien que des données géopolitiques sont extrêmement importantes. On en parlera pendant nos échanges. Mais que représentaient les mouvements islamistes radicaux il y a 50 ans? Les frères musulmans en Égypte, les fédaïnes de l'islam en Iran, ils ne représentent absolument rien. À partir de quand les mouvements islamistes sont devenus puissants? Surtout à partir de l'invasion russe de l'Afghanistan et la création de toutes pièces des talibans par la CIA et les services secrets pakistanais. Les talibans, n'est-ce pas, c'est-à-dire ceux que l'on connaît, les fanatiques, c'était exactement les mêmes, et à l'époque on les appelait les combattants de la liberté. Donc c'est à partir de là, et puis ce qui a été un déclencheur extrêmement important, la révolution iranienne, qui bien que arrivée dans un pays chiite, a montré à tous les mouvements islamistes, même sunnites, que l'islamisme radical peut gagner et peut dominer un grand pays et peut gouverner un grand pays. Donc à partir de là, les choses se sont emballées et un monstre créé de toutes pièces par les grandes puissances financières et les grandes puissances tout court est devenu un monstre incontrôlable. Mais en même temps, il faut savoir qu'effectivement, l'islam, comme pour toutes les religions, comporte des éléments qui permettent qu'on l'instrumentalise et qu'on en fasse un outil de violence. Mais l'islam n'est pas seulement ça, et ce que j'ai dit, c'était de vous montrer combien une religion est complexe et riche, qui comporte des éléments positifs et négatifs, comme toute autre religion, qui dans son histoire a des ondes d'ombre et de lumière. Merci beaucoup. Molt bé, merci beaucoup. Doncs fins aquí hem fet una repassada. Crec que tindrem la possibilitat de fer aquests intercanvis i doncs crec que... On devait me donner une oreillette, non? Sí, pas... la vez, sí. C'est ça? Ah, c'est d'accord. Ça. Et non? a veure, tenim el micròfon gest, sí? Ça se met comment ça? Oui, je pense que ça marche. Ça. Si. Comme ça? Voilà, je crois que par là, commençarons par là. Merci. Comprenc perfectament el francès, però parlaré en català. M'ha agradat molt la seva exposició. S'entén o no? No. Ara, se vol. Ara va. Sí, bé, repeteixo que m'ha agradat la seva exposició i jo volia fer dues preguntes, una com més erudita i l'altra més pràctica. Una és relativa al que vostè ha explicat, segurament, evidentment, en sap molt més que jo, sobre la codificació del Corà, que diu que la fa el cinquè califa, si no m'equivoco. Jo tenia entès que la codificació de l'Alcorà la porta a terme el primer califa. Però bé, vull dir... És a dir, vostè ha donat a entendre que hi ha
com un parell de segles en què la religió s'ha d'anar elaborant i obtenint els textos de referència, no? Sembla ser. Aquesta és la primera pregunta, perquè jo tenia entès que la codificació del Corà es produeix bastant ràpidament a la mort de Mahoma. I l'altra pregunta és més pràctica, més a ras de terra. Acceptant el que vostè ha explicat, que és molt interessant, de tota la diversitat cultural que hi ha darrere de l'islam, jo pregunto per la dissidència dins l'islam i faré una pregunta que pot semblar demagògica. Però vull dir que ara fa poc hem tingut dos episodis, que són el del mocador a l'Iran i el de l'educació de les noies a Afganistan. Llavors, jo trobo a faltar, sincerament, que a països musulmans, que són diversos, no hi hagi protestes sobre aquest tema, perquè jo crec que són dos temes que els afecta globalment, independentment de les arrels culturals diverses. Per tant, hi ha una pregunta, diguéssim, erudita sobre el tema de la codificació de l'Alcorà i una altra pregunta pràctica sobre la possibilitat de la dissidència o de la manifestació dins el món musulmà entorn de temes que jo considero, bueno, és la meva opinió i molta gent. Aquestes són les dues preguntes? Sí. Molt sí, bé, sí, gràcies. Merci. Alors, l'histoire de la rédaction du Coran est une histoire très compliquée. Ce que vous dites au sujet du... Ce n'est pas du premier calife, mais le troisième, c'est-à-dire selon la tradition islamique, c'est sous le troisième calife, donc Osman, que la version officielle du Coran que nous connaissons a été élaborée. Mais selon les historiens, les choses sont un peu différentes. Alors, chez les historiens du Coran, il y a des écoles différentes, des courants de pensée, des opinions différentes, mais depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, disons la théorie qui devient de plus en plus plausible, c'est ce qu'on appelle la thèse Abdelmalek, donc celui que j'ai parlé, qui est le cinquième calife Omeyyade. Donc ça fait le neuvième calife de l'islam. Alors peut-être que c'est lui qui a attribué la codification de ce Coran à Osman, c'est-à-dire le troisième calife, avant les Omeyyades, parce que Osman est le premier calife Omeyyade de l'islam. Il appartenait à la famille Omeyyade. Donc c'est peut-être un clin d'œil de l'histoire. Donc pour Abdelmalek, il fallait dire qu'il s'agit d'un Coran Omeyyade. Alors, entre les deux, il y a quelques décennies de différence. Vous avez raison, c'est que pourquoi la tradition islamique insiste sur le fait que l'élaboration du Coran s'est fait très rapidement après la mort du prophète, parce que plus cette distance est courte, plus les risques de falsification sont petits. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des raisons idéologiques et apologétiques sur l'attribution de Osman. Alors, Abdelmalek, c'est aussi une période très ancienne, mais simplement, entre les deux, comme je l'ai dit, entre Osman et Abdelmalek, il y a un monde de différence, c'est-à-dire, entre-temps, il y a eu des guerres civiles, les conquêtes et la naissance de l'Empire. Et le fait qu'à cette époque, les écritures font partie des outils de pouvoir, c'est-à-dire l'Empire devait avoir un texte. Et donc, là, c'est pour ça que la thèse, bon, ce sont des hypothèses, mais qui deviennent de plus en plus plausibles, l'hypothèse Abdelmalek devient de plus en plus plausible, donc c'est pour ça que ce que j'ai dit, c'est un peu le résultat des dernières recherches sur l'histoire de l'élaboration du Coran. La deuxième question n'a rien à voir, bien sûr, il s'agit de questions complètement différentes. Alors, sur le hijab en Iran, oui, l'Iran, bon, dès la victoire de la révolution islamique dans les années 78-79,
le voile est devenu obligatoire pour les femmes, donc il y a 43 ans. Mais vous êtes sûrement au courant de ce qui se passe en Iran depuis maintenant 5-6 mois. Il y a un mouvement de protestation que certains appellent une révolution et qui a commencé effectivement par le mouvement des femmes contre le port obligatoire de hijab. Donc il y a une réaction. Alors c'est vrai que le milieu iranien est un milieu tout à fait particulier. Un pays est très différent de l'autre. Quand vous regardez l'Iran et l'Afghanistan, ce sont deux pays voisins, mais qui sont sociologiquement et culturellement et sur le point de l'éducation complètement différents. Donc la société civile est extrêmement puissante en Iran. La jeunesse est très éduquée, les femmes sont très éduquées. Il y a plus de femmes médecins en Iran que de femmes hommes. Il y a plus de femmes avocates en Iran que avocats hommes. Il y a plus de femmes professeurs à l'université ou étudiantes que professeurs masculins ou étudiants. Donc nous avons un contexte sociologique qui est tout à fait particulier. Et donc c'est un mouvement de protestation qui ne s'arrête pas, hein. Ça continue. Donc il y a moins de protestations dans les rues, mais il y a de très larges mouvements de grève, y compris dans l'industrie pétrolière et la pétrochimie, donc le pays est paralysé. Donc là, il y a un mouvement de protestation. En ce qui concerne l'Afghanistan, oui, c'est un pays qui a encore, je dirais, gardé sa structure tribale, qui est un pays extrêmement traditionnel. Et effectivement, les talibans sont revenus, là aussi. Je veux dire, ça laisse perplexe, n'est-ce pas, la politique américaine en Afghanistan, qui ont laissé tomber l'Afghanistan en deux jours, n'est-ce pas, et puis la semaine d'après, les talibans étaient là, et donc ils ont imposé cette vision archaïque de l'islam qui interdit, par exemple, aux femmes de suivre une éducation normale. Mais effectivement, l'Afghanistan est un pays où des mouvements de protestation sont beaucoup plus difficiles. Il y a eu quelques petites manifestations de femmes, mais contre justement la burqa, n'est-ce pas, et puis l'absence de l'éducation, l'interdiction de l'éducation aux femmes, mais ça n'a pas eu beaucoup d'effet parce qu'il y a eu une répression atroce. Donc, je veux dire, il y a un élément aussi qu'il faut en tenir compte, c'est la sauvagerie et la férocité des répressions dans ces pays-là. Et donc c'est très difficile de protester. Les mouvements de protestation sont très très violemment réprimés. Bon, en Iran, ça a été le cas, mais quand même, ça continue. Merci. Alors, شكراً جزيلاً على المقابلة كانت شيقة جداً وتشرفنا. J'ai une question. Des fois, c'est difficile institutionnellement d'avoir cet chemin de connaissement jusqu'à l'islam. On doit dire, on est honnête, à part la France et d'autres pays plutôt au nord d'Europe, les restes, c'est très islamophobe. Donc, des fois, on est forcément conditionné pour la géopolitique, même culturellement. Moi-même, quand je dis je parle arabe, dans le reste des pays arabes aussi, ils pensent que je suis islam, ils ont des préjugés, quoi. Et donc, je voudrais savoir si vous avez une réponse pour quel est le chemin jusqu'à l'ouverture culturelle, parce que des fois, il nous manque ça. Il nous manque une ouverture culturelle, qu'il y ait des activités, des plus activités, même dans la même Espagne, même des autres pays européens. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'activités culturelles périodiquement qui sont organisées jusqu'à avoir cette ouverture. Donc je voudrais savoir s'il y a quelques conseils de votre part pour trouver un chemin ou une voie d'ouverture que des fois c'est vraiment difficile à trouver. Merci.
L'ouverture de qui vers qui? L'ouverture des pays occidentaux vers les musulmans ou l'inverse? Ou les deux? Je ne suis pas... Com que no tothom porta el pinganillo, direm, la pregunta és sobre les obertures recíproques de països occidentals cap a l'islam i ara, darrerament, en sentit contrari. Aquesta és la pregunta, si l'he entès bé. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites que il y a une islamophobie générale en Occident. Je ne crois pas que ça soit le cas. En tout cas, je veux dire, il n'y a pas une islamophobie d'État. Heureusement, l'Europe et ses lois sont issues quand même des Lumières et de plus d'un siècle de laïcité ou de la séparation de l'Église et de l'État. Et je ne pense pas qu'il y ait une sorte d'islamophobie. Maintenant, c'est vrai, en même temps historiquement, il y a une sorte de peur de l'Occident à l'égard de l'islam, qui vient de loin, qui vient du Moyen-Âge, n'est-ce pas, et de toute la polémique, par exemple, chrétienne contre l'islam, ensuite les croisades. Mais, je veux dire, la divergence était réciproque. Et puis, il y a eu les Ottomans. Il y a eu le siège de Vienne. Je ne sais pas en espagnol, mais en français, il y a une expression pour dire que quand on n'aime pas quelqu'un, on dit tête turque. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, vous savez, il faut imaginer les Ottomans aux portes de Vienne, c'est-à-dire la capitale de Saint-Empire germanique, des Habsbourg. C'est comme si vous disiez Daesh est aux portes de Paris. Donc c'est un peu comme ça, l'image qui reste dans l'inconscient collectif. Donc il y a des siècles et des siècles de guerres, de conflits. Et là aussi j'ai parlé de ce que représentaient les mouvements islamistes il y a 50 ans. Mis à part, bien sûr, il y a toujours, je veux dire, une sorte de racisme tacite envers l'étranger. Peut-être en Europe ou en France, par exemple, à cause de la question coloniale, etc. Mais je veux dire, il y a un racisme à l'égard de l'étranger. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Inde. Il y a un racisme des Indiens envers les non-Indiens. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Chine. Il y a un racisme des Chinois, enfin, une sorte de méfiance à l'égard des non-Chinois et même à l'intérieur de la Chine, puisqu'il y a énormément de peuples différents. Bon, mais mis à part, je veux dire, cette sorte de peut-être peur tacite, il n'y avait pas véritablement, il y a 40 ans ou 50 ans, un racisme anti-arabe ou anti-islam en Europe. Ce que vous appelez islamophobie a pris forme après, justement, les résultats de la violence islamiste, c'est-à-dire les attentats, 11 septembre, et ensuite les attentats de Londres, de Paris, de Barcelone, etc. Et donc c'est à partir de là que ces attentats ont réveillé cette peur ancienne du musulman, qui est ancienne, qui a des racines, dans, je pense, dans l'inconscient collectif occidental. Et je pense que, en même temps, c'est compréhensible. Donc l'ouverture dont vous parlez, je pense, ça vient par la rationalité et par la connaissance. Je voulais parler justement de la pluralité de l'islam pour ça, pour dire que l'islam n'est pas seulement ça. C'est ça, bien sûr. C'est imbécile de dire que tout ça, ce n'est pas l'islam. L'islam est une religion de fraternité, d'amour, de paix. Non, ce n'est pas ça, comme toutes les religions. Il n'y a pas de religion qui soit religion de paix, d'amour, etc. Quand on prend son histoire, il y a des zones d'ombre et des zones de lumière dans toutes les religions. Donc, ça vient de là. Mais ça vient aussi, je pense, ça doit venir du côté musulman. C'est des deux côtés. C'est-à-dire que les musulmans n'ont pas eux-mêmes une bonne connaissance de leur histoire. Ce qu'ils connaissent de leur histoire, ce sont des données traditionnelles. Ce sont des données traditionnelles qui sont très souvent des données de fermeture.
des données de supériorité, n'est-ce pas ? Nous, on a été le supérieur, on a été les maîtres du monde, et à cause, je ne sais pas, des ismes différents, du colonialisme, du sionisme, de l'impérialisme, etc., on a été humiliés. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il faut également que les musulmans aient une connaissance plus approfondie, et je dirais avec une mentalité différente, c'est-à-dire avec un regard critique, un regard nourri par l'histoire, par la philologie, c'est-à-dire par les fruits de ce que j'appelle la modernité. Quand on regarde sa propre religion, avec un regard critique, distancié, serein, de la tradition, ça change beaucoup de choses. Mais il faut savoir que le regard de l'histoire ou de la géographie, c'est très important, ne menace pas la foi. La foi n'est pas menacée par ça. Je pense que la peur des musulmans vient de là. Ils ont peur que si on regarde leur religion, leur histoire, avec un regard serein, objectif, rationnel, ça menace leur foi. Il faut qu'ils puissent maîtriser cette peur. Non. Ça s'est passé la même chose hein, pour les chrétiens et les juifs. Ça a pris quelques siècles. Mais finalement, ils ont compris que oui, non, on peut avoir ce regard distancié critique, mais on peut vivre aussi paisiblement avec ses prochains sans que ça menace, sans que sa foi soit menacée. L'ouverture vient des deux côtés. Il n'y a pas d'ouverture unilatérale. Très bien. A veure, les últimes. Bonsoir. Merci bien pour votre présentation. Je voulais juste, j'avais juste une petite question. Vous avez parlé des. Merci. Vous avez parlé des sous-multi. Comment dirais-je ? De la diversité. Vous avez évoqué qu'il y a plus ou moins trois types d'islam. Historique. Non, oui, mais je ne parle pas vraiment là de l'islam des origines, l'islam des clairs et des non-clairs, mais plus l'islam des sunnites, chiites, et vous avez évoqué un troisième. Des ibadites, ibadites kharijites. Ça, j'en ai jamais entendu parler. Et vous avez aussi parlé de la présence au nord d'Afrique, venant du Maroc. Franchement, j'ai jamais côtoyé ou j'ai jamais connu quelqu'un chiite, pardon. Du coup, je voulais juste avoir un tout petit peu, un peu des données sur ceci parce que ça me paraît un petit peu bizarre. Enfin, bizarre. J'en ai jamais entendu parler. Merci. Vous avez raison parce que les ibadites sont très peu nombreux par rapport aux sunnites et aux chiites. Donc, j'ai dit il y a à peu près 4/5 de sunnites et 1/5 de chiites. Ça veut dire que ce qui reste, c'est presque rien. Et c'est le cas. C'est-à-dire les ibadites, qu'on appelle aussi historiquement les kharijites, ne sont présents qu'en Afrique du Nord, c'est-à-dire dans le Mzab, en Algérie, et à Oman, donc en Arabie. Donc c'est une toute petite minorité. Bon, je les ai mentionnés parce que, par respect à ce qu'ils disent, parce que doctrinalement ils disent nous ne sommes ni sunnites ni chiites, mais nous sommes ibadites. Mais effectivement, c'est une toute petite minorité. En gros, effectivement, l'islam se compose de sunnites et de chiites. Alors vous dites qu'en Afrique du Nord, il n'y a pas de chiites. Oui, il y en a très peu. Hein. Mais dans d'autres régions, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Oui. Voilà. Binga. Quand même. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup pour merci beaucoup pour le précieux parler en catalan si c'est plus simple pour vous, on me traduit. Gracias por la explicación tan preciosa. Yo no tengo ninguna pregunta. Yo he entendido todo porque he continuado estudiando
en Marruecos. Et j'ai continué mes études dans un collège arabisé, pero entiendo. Merci. Voilà, moltes gràcies. Merci. Molt bé. Merci. Doncs, fins aquí, el temps crec que ha estat molt útil per obrir finestres i entendre una sèrie de qüestions que remonten molt lluny, que ens duen a l'actualitat. Només puc agrair la vostra presència aquí i al doctor Amir Moedzi per aquesta esplèndida conferència. Moltes gràcies. Merci, merci a vous. Merci. Merci.